Bonjour, bonjour mes petits chats. Comment allez-vous en ce lundi 17 avril? Donc, je souhaite un excellent anniversaire à Nadine. Donc, Nadine, si tu passes par là, je te souhaite un joyeux anniversaire. Alors, le temps, moi, je ne comprends plus rien. Attendez, bouchez vos oreilles. C'est tout gris, alors que ils ont annoncé du soleil, mais ce n'est pas grave. Les oiseaux, ils chantent. Bon, il fait pas trop froid. Voilà. Bon, allez. Donc, aujourd'hui, c'est le grand, 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 grand ménage parce que bah, tout ce week-end, j'ai rien fait. Même mes sols, ils sont cracro. Mais comme je vous dis, le week-end, je vais le faire exprès. Comme ça, lundi, je peux bien astiquer. Donc, aujourd'hui, c'était programme comment nettoyer sa télé. Donc, moi je la laisse éteindre parce qu'il faut que la télé, il faut que l'écran il soit froid en fait. Il faut pas que la télé elle fonctionne ou quoi. Donc depuis hier elle est éteinte. Là je l'ai pas allumée. Il est 9h35. Bon, en même temps je me suis levée il y a pas si longtemps que ça. Il était 9h, hein, même petit chat. C'est les vacances. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end. Dites-moi en commentaire si vous avez passé un bon week-end. J'ai enlevé ma branche d'orchidée. Elle était capoute. Ça y est. Là la rose elle commence. Là elle est toute. Voilà, donc petit tour de l'horizon. Donc ça, hop, à nettoyer, à nettoyer, à nettoyer, nettoyer, nettoyer. Donc voilà. Donc mamie elle est repartie, elle m'a demandé de la lessive. Du coup, je lui ai donné 3 dosettes de lessive. Et puis je lui ai donné un produit à laver par terre. Voilà. Moi j'aime bien rendre service à mon prochain. Donc voilà, premier temps, nettoyage de la télé. Donc pour le nettoyage de la télé, il vous faudra une microfibre mouillée, mais pas trop. Donc attendez, je fais avec vous. Donc, vous prenez une microfibre propre. Comme ça, moi, après, je vais m'en servir pour ma vaisselle. C'est le bordel, il faudrait que je nettoie aussi, là. Donc, on va prendre une microfibre que je vais mouiller. Microfibre, en plus, Internet ne sait plus parler. Et je vais prendre. Cette semaine, il faudra que je range aussi ici, là, parce que. C'est le bordel. J'ai plus. Ça va là-bas. Voilà. Et je prends une microfibre sèche. Voilà. Donc la microfibre, je vais la mouiller. Mais pas de trop. Voilà. Bien essorer. Et puis on y va. Allez, donc ça c'est des affaires à l'âme, ils sont propres. Allez, go! Et de là, ben vous frottez. Voilà, vous frottez. Et dès que vous voyez une trace ou quoi, ben vous passez plusieurs fois jusqu'à temps qu'elle part. Mais ne pas appuyer fort, hein. Vraiment léger quoi. Et essayez de la faire quand il n'y a pas de soleil qui tape sur votre télé. Sinon, ça va vous faire des traces, c'est comme les vitres. Voilà. Parce qu'à mettre du produit sur votre télé, ça abîme l'écran et votre télé ne va pas durer une éternité. Bon. Peut-être que ça, c'est des conneries. Mais moi, je préfère pas. Voilà quoi. Donc, du coup, après, vous passez la microfibre sèche. Et vous caressez, hein, vous frottez pas, vous appuyez pas à fond sur l'écran, quoi. Moi, je vous donne mes astuces à moi. Après, si vous les appliquez, c'est bien. Si vous ne le faites pas, ben, tant pis, hein. Moi, je vous dis qu'est-ce que moi, j'ai appris. Et ça, j'avais appris quand je travaillais dans une société de nettoyage. En société nettoyage, maintenant, on n'a plus le droit de nettoyer les écrans. Parce qu'apparemment, ben, les femmes qui nettoyaient les écrans,
Ben, il mettait du trop du tout, puis ça a éclaté des écrans d'ordinateur. Et donc, moi, ma chef, elle m'avait dit, tu passes un petit coup, mais tu fais comme ça. Du coup, ben, puis moi, j'ai gardé. Voilà, et il n'y a aucune trace. Et votre écran, il est propre. Voilà, pas besoin de produit. C'est du naturel. Voilà. Donc voilà, je vous ai fait voir comment nettoyer sa télé. Donc dans un premier temps, je prends mes plaids, je les secoue bien, n'est-ce pas? Je les secoue. De là, je les prends, je vais dans la salle de bain. Je mets une dosette de Le Chat dans ma machine. J'explique tout. Hein. Je mets du bicarbonate de soude. Je mets mes plaids, donc blanc. Je ne mélange pas le blanc et les roses. Hein, je précise pour cette dame. De là, je branche ma machine. De là, je mets du Luciole pour désinfecter mes plaids. Et je mets du Lenor. Voilà. Et ensuite, je programme ma machine. Hein? Et puis de là, ben je laisse tourner la machine. De là, je prends ma petite table que je secoue, comme je l'expliquais la semaine dernière. Je secoue pour enlever les miettes parce que monsieur, il mange au soir sur la petite table et Alan déjeune le matin sur la petite table. Donc, comme il y a des miettes et tout ça, je secoue bien. Hein? Je secoue. J'ai pris une bassine, j'ai mis de l'eau bouillante de ma bouilloire. Je prends mon savon noir de chez Lidl, j'asperge partout sur ma table. Et de là, après, ben, je vais tout nettoyer. Donc là, je vous mets en accéléré. Ensuite, je passe un coup de lavette sur mon fauteuil pour enlever le peu de poussière que j'ai sur mon fauteuil. Je précise le peu, hein. Donc je donne un coup partout. Donc les housses de coussin, s'il fait bon cette semaine, enfin pas les housses de coussin, je sais pas comment on appelle ça, ben si les coussins, donc entre l'été de coussin, enfin je sais pas. S'il fait du soleil demain ou quoi, ben je les laverai et je mettrai dehors parce que là le temps est encore tout gris. Alors que je vous parle, il est 10h20 et tout à l'heure à la fin de la vidéo, je vous ai dit qu'il était. Non, il est 11h20 et tout à l'heure à la fin de la vidéo, je vous ai dit qu'il était 10h alors qu'il était 11h. N'importe quoi. Comme si j'aurais fait mon ménage là en un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Enfin bref. Donc là, le temps il est gris, il y a du vent. Alors que c'était pas prévu ça. Enfin. Donc, revenons à nos moutons. Donc, je donne un coup de poussière partout alors que j'ai pas. J'avais tout fait vendredi à fond. Hein. Comme je vous dis, je ne vous fais pas voir tout qu'est-ce que je fais. Sinon, la vidéo, elle va durer des heures, quoi. Donc, je redonne un coup, hein, pour, voilà, à bon entendeur. Hein. Je repasse. Et c'est une perte de temps parce que j'ai pas de poussière. Et de là, je vais mettre bien au ralenti. Voilà, j'ai bien mis au ralenti pour faire voir comment je passe l'aspirateur. Hein, parce qu'apparemment, je donne un coin à droite, un coin à gauche. Je remarche dans la poussière, je remue la poussière et j'aspire pas. Enfin, je ne sais pas. Enfin, bref. Donc, voilà. Hein. Donc, qu'est-ce qui a coûté de la baffe, la petite planche en bois avec mon vase et tout, j'ai pas enlevé parce que j'ai tout enlevé vendredi. J'avais enlevé la plante et tout, hein, j'avais tout arrosé et tout, donc il n'y a rien. Donc je ne vais pas me fatiguer à tout enlever
pour faire voir que voilà que c'est propre quoi. Donc c'est propre, je le fais vendredi. Donc voilà, c'est pour ça que je ne l'enlève pas. Allez, je vais remettre en accéléré mes petits chats. Donc voilà, donc j'ai la grande eau bouillante. J'ai mis le produit Ajax, deux bouchons pour 5 litres, je crois. De l'eau, ben, je lave à grande eau, je racle et puis après je reçus au sec. Et après, ben, je laisse sécher et de l'eau, je passe l'aspirateur. Je repasse l'aspirateur. Voilà. J'étais contente parce que c'était propre, ça sentait bon. J'étais contente. Qui a été trop sale, côté salon était trop sale. Là après je bascule les côtés cuisine, donc je vais vous filmer, comme ça je vous mettrai demain dès que je suis levée, je vous la mettrai sur YouTube tout de suite, comme ça je serai tranquille, comme ça demain ben, j'attaque ma salle de bain que vous aurez jeudi, puisque mercredi on fait le live et je mets pas de vidéo le jeudi. Et vendredi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je me rappelle plus, donc là vous avez ça, demain vous aurez cuisine. Jeudi, vous aurez salle de bain. Et vendredi, je vais vous mettre quoi? Dites-moi en commentaire, vous voulez voir quoi vendredi comme vidéo? Dites-moi. C'est ménage, hein, que sur le ménage, hein, parce que le blabla et tout, enfin, les vlogs et tout, c'est sur l'autre chaîne. Hein. Donc, je vous laisse me dire en commentaire qu'est-ce que vous voulez voir vendredi. Ouais, voilà. Bon, mes petits chats, je voulais présenter quelque chose, j'ai vu aussi encore une astuce, donc pour les critiques, vous êtes les bienvenus. Voilà. J'ai acheté ça à Ziman. Donc pareil, c'est une TikTokeuse qui fait que des petites astuces comme ça. Donc j'ai enlevé le truc. Donc avec ce produit, vous pouvez laver vos sols, vous pouvez mettre dans les sans-bons, vous pouvez mettre dans les pots pourris, vous pouvez mettre dans les tiges, vous savez. Les tiges, je les mets dans la salle de bain, vous mettez deux trucs dedans, et puis il y a des tiges qui rentrent dedans. Puis nettoyer, non, il n'y a pas de nettoyage, c'est que du sambon. Voilà, je dis des bêtises. Donc, vous prenez une bougie. Hein. Alors, dans un premier temps, vous mettez, vous n'en mettez pas beaucoup. Hein. Comme moi, j'ai passé une commande à ma nièce, ben, j'attends, du coup, en attendant, je me sers de ça. Voilà, vous allumez la bougie. Donc moi c'est une première, hein, j'arrête pas de le dire. Quand je fais, c'est une première aussi pour moi. Vous mettez bien et puis enfin attendre que ça se diffuse. Donc je vais vous faire voir au plus près. Attendez. Je vais vous faire voir au plus près. Donc voilà, j'ai mis un peu là. Le truc, hop, il faut attendre qu'il chauffe et puis je vous dirai si ça sent bon quoi. Alors, désolé, je devais vous faire voir la cuisine. Mais comme vous savez, de toute façon, je vais le dire, haut et fort, j'ai eu un mauvais commentaire vendredi, je crois. Où la femme me disait... Donc, je reprends, elle a été coupée. Donc, j'ai une femme qui m'a mis en commentaire vendredi. Ouais, je crois que c'est vendredi, je ne sais plus. Je l'ai mis en plus... je sais plus où. Dans ma communauté, je l'ai mis. Qu'elle me disait, elle ne secoue pas ses torchons. Je sais pas pourquoi des torchons. Enfin bref, c'est pas grave. Ses plaids sont pas secouées. Les poussières non faites ou à moitié. Enfin, je sais plus en gros. Quand elle passe l'aspirateur, c'est un coin à droite, un coin à gauche. Voilà. Et elle repasse. Elle fait tomber toutes les poussières. Elle remarche dedans. Enfin bref, quoi. Enfin. Donc moi, pour être honnête, ça passait à droite et ça ressortit à gauche, hein, ou vice-versa. Donc si t'es là,
parmi nous parce que j'ai pas effacé. Je bloquerai pas cette personne, j'effacerai pas son commentaire, je laisse. Les mauvais commentaires, je laisse. Après, comme je dis, c'est YouTube, c'est les choses de la vie. Hein. Donc, c'est le premier, non, c'est le deuxième mauvais commentaire que j'ai depuis le temps que je fais YouTube. Donc, ma foi, ça va quoi. Donc, j'ai décidé de refaire mon salon, de toute façon, j'en avais besoin. Donc, de là que je te fais voir que je secoue mes plaies, il y a des moments où je ne le fais pas voir, logique, sinon ma vidéo, elle va durer une éternité. Donc, comme je disais, je préfère que mes vidéos, ils durent moins longtemps et qu'on les regarde jusqu'au bout, qu'ils durent plus de 35 minutes et puis qu'on regarde pas jusqu'au bout. Donc, là, je te fais voir si tu viens parmi nous, donc bienvenue sur ma chaîne, je ne sais même pas si t'es abonné ou quoi, enfin bref. Et puis, donc je te fais voir. Donc, j'ai bien passé l'aspirateur que je couperai le son, mais je ne le laisserai pas en accéléré, je le laisserai en normal. Parce que une chose que tu n'imagines pas, c'est que sur les montages, on fait les accélérer, hein, justement pour raccourcir la vidéo. Donc là, je vais laisser les passages aspirateur en normal. Et puis, je te fais voir comment je passe l'aspirateur. Maintenant, si tu veux venir m'apprendre à faire le ménage, t'es bienvenue, viens en MP, je te donne mon adresse et puis tu viendras faire mon ménage et je te filmerai et tu passeras sur YouTube. Donc voilà mes petits chats, le petit coup de gueule que j'ai passé. Donc je vous remercie à tout le monde d'être là pour moi, mais moi je vous le fais partager, mais ça m'atteint pas. Non, non, ça m'atteint pas. Enfin bref, allez hop, page tournée, page clos, hop. Donc le plaid est au lavage, j'ai bien astiqué là parce que il y en avait besoin. En plus, monsieur hier, il m'a peint la palissade et tout ça. Donc voilà. Donc je vais faire ma cuisine là après et vous l'aurez demain. Donc tout va être décalé en fait. Hein. Jeudi la salle de bain et puis vendredi retour ménage. Comme ça vous avez une vidéo tous les jours. Et mercredi le live à 13h. Donc désolé, j'ai posé mon trépied là. Donc je vous ai fait voir comment on nettoyait la télé. Donc maintenant si vous faites c'est bien. Si vous faites pas, bah tant pis. Voilà, moi je vous ai fait voir. En poussière, j'ai donné un coup sur le meuble de télé, mais comme vous pouvez voir, comme tu peux voir si tu viens sur ma vidéo, j'ai rien moi en poussière, j'ai rien, parce que poussière ils sont faits tous les jours, mais je vais pas m'amuser à faire voir les poussières tous les jours sur YouTube. Les gens ils s'en fichent, tu le fais voir une fois c'est bien, mais pas tous les jours. Donc écoute, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite 10h, je vous souhaite une excellente journée. Pour les lampes, je vous avais déjà fait voir les astuces, donc je vous le redis. Donc vous nettoyez bien, vous mettez de l'huile essentielle sur un coton démaquillant ou autre, un chiffon, n'importe. Et puis vous frottez sur les lampes, sur les chauffages s'ils vont encore, hein, des petites astuces comme ça. Hein, et puis ça sentira un peu bon chez vous, quoi. Après, j'ai bien aéré, donc voilà. Donc sur ce, mes petits chats, je vous fais plein de gros bisous. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Nathalie a la chaud. Ouh, allez, bisous. Elle m'a mis le stress. J'ai chaud. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis bye bye et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure avec moi. Bye bye, je vous adore. Bisous.